tout, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour vous faire découvrir un petit Le Normand que j'ai commandé sur Etsy, que je m'excuse, je fais du bruit, c'est mon chat qui veut sortir, que j'avais repéré depuis un certain temps et que j'hésitais à prendre. Et cette fois, bah, j'ai cliqué, voilà, tout simplement. C'est un petit Le Normand qui s'appelle La Note à Le Normand. Je l'ai reçu donc dans un petit pochon. Je dois dire que c'était un envoi très soigné. Le jeu était emballé dans un petit papier de soie, vraiment super sympa. J'ai reçu donc la carte de visite. Hein, je l'ai commandé sur la boutique Arbre Magique. Mais apparemment, cette boutique s'appelle aussi 55 rue du Chat Rouge. J'ai reçu la carte de visite signée par la créatrice Martine et un petit autocollant, un autocollant pardon, d'un chat très, très sympathique. Voilà. J'irai mettre un mot sur cette boutique parce que vraiment, l'envoi était très rapide. Depuis le jour où je l'ai commandé, il a fallu 3 jours et je l'ai reçu, quoi, en fait. Même je dirais 2 jours parce que le jour de la réception, en fait il a fallu 2 jours d'envoi en fait tout simplement. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc on reçoit donc le jeu hein, dans un petit pochon comme ceci. Très sympa, j'aime bien. Et le jeu, on a déjà la première carte voilà, je trouve très sympa. C'est marqué Petit Lenormand Lanota, merci de soutenir ma petite entreprise, gratitude. Et on a le nom du site, www.55rueduchatrouge.com. Et en fait, ici, c'est le dos du jeu. Alors, c'est pas un dos qui m'emballait déjà au départ quand je regardais le jeu, mais bon, finalement, c'est pas si moche que ça. Voilà, je vais vous montrer un petit peu le format, parce que c'est pas un format traditionnel, c'est pas un format carte à jouer. J'ai ressorti le Dreaming Well Normand. Juste pour vous montrer, vous voyez, il est plus étroit. Et ça, moi, j'aime bien, finalement, qu'il soit un peu plus fin. Ce qui est pas mal, c'est que c'est des illustrations, comme vous allez le voir, donc pleine carte. Il n'y a pas de rebord. Donc, je pense qu'on peut se permettre, j'imagine. Alors, je n'y connais rien du tout en impression et en impression non plus, en imprimerie. Mais on peut se permettre de faire des cartes un peu plus, je dirais, étroites, peut-être. Donc, vous verrez, c'est très coloré, c'est particulier. On a la carte, ici, du... Voilà, du cavalier, je trouve très sympa. Le trèfle. J'aime bien ces couleurs. Carte du bateau, je la trouve très sympa aussi. Alors, il y a une ou deux cartes un peu, voilà. La maison. Il fait un petit peu pop culture, hein, ce jeu avec les inscriptions comme ça en écriture simple, quand même, voilà. Et puis le chiffre, c'est aussi numéroté, je dirais, assez grand. Voilà, on a donc le 9 et le nom du bouquet comme ça en travers de la carte. Mais j'aime bien, je trouve super sympa. Franchement, j'étais un petit peu, quand j'ai cliqué pour ce jeu, parce que je vous dis, ça fait pas mal de mois que je le regardais, j'étais un peu sceptique. Je me suis dit, on verra bien une fois que tu l'auras en main, peut-être que tu seras déçu ou pas. Et ben, je suis pas déçu du tout. Il y a une carte qui me retenait un petit peu. Elle est belle aussi, cette carte du renard. C'est la carte du chien. Et finalement, c'est pas celle-ci qu'il faudra que je me familiarise un petit peu plus. C'est celle-ci, la carte des étoiles. Voilà, c'est représenté par ben, je pense. Une étoile, la constellation comme on la voit, je sais pas, hein, mais bon, vous voyez, elle a rajouté un petit peu le signe cartomantique. Ouais, celle-là, faudra que je m'y fasse. Mais bon, sympa. C'est pas l'histoire de que l'illustration me plaît pas, c'est que c'est ben voilà, vous avez mon chat qui passe. Voilà, bonjour Blue. C'est un petit peu, ouais, l'étoile, on la voit plutôt lumineuse, on la voit plutôt, ben là, c'est pas le cas. Donc voilà, la cigogne, voilà, c'était pour cette carte au départ que je trouvais, ouais, pof, le chien. Et en fait, elle est très sympa, elle a une énergie très sympathique, ce chien. Voilà, et en fait, c'est l'étoile qui va un petit peu plus me... Va falloir que je m'habitue, je dirais, à la carte de l'étoile. Le jardin, vous voyez, c'est très coloré, j'aime beaucoup. Le mont.
le chemin. Eh ben, vous savez quoi? C'est une très très belle découverte. J'aime beaucoup ce jeu. Qualité assez bonne, hein. Bon, elles sont un petit peu plastifiées, hein. Je dirais c'est bien plastifié. C'est pas quelque chose que j'adore, mais là, ça me gêne pas autrement du fait que les cartes sont plus étroites, je pense, je sais pas. Mais ça a l'air d'être d'une très très bonne qualité. Et ma foi, je suis vraiment agréablement surprise. J'aime beaucoup la carte du consultant de l'homme et de la consultante. J'aime bien. J'aime ouais, énormément. Ouais, puis j'aime bien le graphisme malgré tout. Voilà la lune. Alors là, pareil, c'est tout simple, mais ouais, je trouve sympa. La clé. Les poissons, enfin le poisson. L'ancre. Et la croix. La dernière carte. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire encore sur ce jeu? Eh bien en fait, quand on commande le jeu, on a un message, un mail. J'ai eu un mail de la créatrice de Martine, justement, qui nous dit voilà, que le jeu est envoyé. Et en plus, en PDF, elle envoie les significations du Petit Lenormand. Bon, moi, j'ai pas encore été voir ce que c'était, parce que bah, je connais le Petit Lenormand. Mais si vous êtes débutant, ça peut être intéressant d'avoir justement les significations du Petit Lenormand pour si vous débutez, ça peut être vraiment sympa. En tout cas, c'est une chouette boutique. J'ai eu un très bon contact avec la créatrice. Elle a plusieurs jeux, hein, à part le Petit Lenormand, elle en a plusieurs. Elle a d'autres Petits Lenormands. Elle a d'autres choses aussi à vendre. Mais en tout cas, c'est une boutique que je recommande. Voilà, mes chers amis, n'hésitez pas à commenter pour ceux qui connaissent un petit peu le Petit Lenormand, si ça vous plaît, si vous le trouvez sympa, s'il ne vous plaît pas, hein, aussi, il ne peut pas plaire à tout le monde, évidemment. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Et si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, cette présentation vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour vous y abonner, certes. Et puis de recliquer une seconde fois sur cette petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Bye bye!